Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer en avant-première du gameplay avec les 5 nouveaux skins qui vont sortir dans la prochaine mise à jour. Tout ça, c'est grâce à une version de dev qui m'est prêtée par Supercell parce que je suis partenaire Supercell. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir le contenu exclusif en avant. Aujourd'hui, on va avoir les skins. Peut-être plus tard dans la semaine, on aura pourquoi pas le nouveau brawler et le nouveau mode de jeu en avant-première. Donc, abonnez-vous. On va partir ici en mode prime. On va faire un petit défi entre les 5 skins. Comment ça va se passer? Tout simplement, on va partir en mode prime. À chaque fois qu'on fait un kill sur un adversaire, on va mettre un point et en fin de match, on aura des points supplémentaires en fonction du nombre d'étoiles qu'on aura sur la tête. Et on verra en fin de game, justement en fin de vidéo, quel est le skin qui a remporté le plus d'étoiles. Écoutez, on est parti directement et on va commencer directement sur une première game avec le premier skin. C'est le skin de Tara Ninja Street Ninja, franchement, qui est magnifique, moi je trouve, et qui est seulement à 80 gemmes, donc plutôt intéressant. Pour un skin qui est de qualité. On va essayer de faire le kill ici. Est-ce qu'on a fait le kill? On a fait le premier kill. Ça, c'est pas mal. On a un point. On a un point. Bien sûr, si vous voulez acheter des nouveaux skins, n'hésitez pas à renseigner le code créateur AXAEL pour soutenir la chaîne. Je vous en remercierai jamais assez, hein, bien entendu. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, attendez, attendez, attendez. Là, ça meurt. Ça meurt dans tout. Oh, putain. Oh, j'explose. J'explose. Alors, attendez. J'ai mes potes qui explosent dans tous les sens avec le bow. Pour l'instant, on s'en sort. On a fait un kill. Pour l'instant, on est encore vivant. Le beau, est-ce qu'il a la vision? Allez, ça c'est un deuxième point gratos. Ah, on peut avoir un bon coup, là. On peut avoir un bon coup à jouer, là, pour les deux. Allez, allez, allez. Troisième kill. Quatrième kill. Oh, on est bien. Quatrième kill, plus les 6 étoiles sur la tête. Donc là, là si on s'arrête maintenant, on a 10 points en fin de game. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on va essayer plutôt d'aller chercher des kills supplémentaires. Oh, on l'a touché du bout. C'est pas mal, c'est pas mal. Un cinquième point. Allez, ça c'est pas moi qui l'ai tué par contre. Hop, on est bien là, on est bien. On est au maximum d'étoiles. Donc maintenant, on va juste essayer de récupérer quelques étoiles supplémentaires. Enfin, quelques points supplémentaires en tuant des adversaires. Ah, ça va être limite, hein. Oh, ça passe. Oh, c'est pas nous qui l'avons tué, mais c'est pas très grave. On est en train d'exploser cette game, hein, du coup. Voilà, le petit kill supplémentaire ici sur le beau. On se met bien, on se met bien. Eh, beaucoup de points là, on va faire. On va faire beaucoup de points. Peut-être le double kill. Oh non! Non, non, perds pas! Oh, il faut pas que je perde cette munition. Oh! Oh la PLS! Oh la PLS ici! On vient de perdre les 7 étoiles sur un rebond de billes de chewing-gum qui est parti vraiment dans tous les sens. Voilà, on a refait des kills là ici ou pas? Oh non, c'est le tic qui est en train de massacrer tout le monde. On est sur un 38-23. Ça fait très très mal. Et du coup, j'ai perdu. On va avoir peut-être 2 points bonus maximum. Bon allez, 3 points bonus. 4 points bonus. Oh non, on finit avec 3 étoiles sur la tête, c'est dommage. Et ce skin Tara qui est vraiment magnifique. Allez, du coup, on enchaîne sur le deuxième skin de la journée. Et c'est le skin de Nita Koala qui est vraiment magnifique. Et en plus si vous l'achetez, vous faites une bonne action. Donc voilà, c'est d'une pierre deux coups puisque tout simplement les bénéfices de la vente de ce skin seront reversés à des associations qui travaillent en Australie en ce qui concerne les incendies. Donc bah voilà, c'est une bonne action, ça coûte pas cher et en plus le skin est vraiment très très beau, regardez. Alors attendez, là on va mettre un petit peu de pression, on va lâcher, regardez, notre ours, enfin notre koala d'ailleurs, regardez-moi ça, il a une veste. Oh là 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 là, il fait des kills. Regardez-moi ça, il a une veste de pompier, il a son petit casque de pompier. C'est vraiment ultra ultra stylé. Franchement, je trouve ça magnifique. Et seulement 80 gemmes. Franchement, c'est bien parce que ça veut dire que vraiment n'importe qui peut l'acheter quasiment. Beaucoup beaucoup de joueurs ont des skins à 80 gemmes. Bon après, c'est vrai que 30 gemmes, ça aurait été mieux. Mais après, bon voilà, faut aussi... Dans l'idée, il faut aussi faire des bénéfices. Hein, parce que si on doit reverser ces bénéfices à des associations, autant qu'il y ait un petit peu de bénéfices quand même. Allez, on fait 2 kills de suite là. On fait 2 kills, on se met bien. On se met bien. Et écoutez, on a 6 étoiles là. 6 étoiles sur notre tête. On fait pas mal de points. Écoutez, est-ce que ça va être le skin qui va remporter ce défi ce soir? Encore un kill de plus. On est bien là. Si on arrive à garder nos étoiles sur la tête encore jusqu'à la fin de la game, on va essayer d'aller gratter quelques petits kills supplémentaires, hein, bien sûr. Oh là là là. Oh, le double kill! Ah non, un seul kill. Mince, il y avait encore le Léon qui était dedans. Hop là, voilà. Oh là là, mais là, on est en train de faire un gros massacre. Gros massacre avec Nita. Nita Koala! Allez, ça c'est pour l'Australie et bim. Tiens, oh, j'ai pas fini. Mais si, petite. Oh merde, c'est pas moi qui t'ai eu. Oh, je suis dans la merde. Oh, ils vont me charger. Oh, back. Le koala qui met la pression sur le car. Allez. Oh, c'est mon koala qui l'a eu. Incroyable. Hop, 14 secondes. Oh, c'est encore mon koala. On a un koala de compétition. Regardez, on lui en remet un. Deuxième koala de compétition. Ah non, je veux pas. Oh non. Pourquoi je meurs toujours à 2 secondes de la fin?
Oh non, Alexandre! Joue la plus sécure! Oh non, non, non! L'erreur bête! Aïe! Allez, du coup, on enchaîne sur le troisième skin. Le skin qui sera disponible à la Saint-Valentin. Et c'est le skin de Piper, qui est vraiment magnifique. Oh, qui vient de détruire en plus un Brock. Ça fait toujours plaisir, bien entendu. On va essayer de lancer quelques petites attaques ici. Ou attention, on essaye d'éviter le Emery. Et bim. Allez, tiens, une petite attaque sur Emery. Par contre, attention, le Brock. Le Brock qui fait très très mal. Hop là, on jump. On jump, on va tenter l'atterrissage. Oh, l'atterrissage sur le Brock. Ok, parfait. Regardez, en plus, son attaque est un petit peu spéciale. Regardez, ça va être des cœurs qui vont partir. Des cœurs qui partent avec des petites ailes au bout. Alors là, je vous avouerai qu'on était quasiment à bout portant, donc on l'a mal vu. Mais regardez, hop là. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique comme, comme attaque. Alors là, par contre, du coup, je vous avouerai que je suis pas serein. Ok, le Emery qui ressort. Ressort du buisson, il re-rentre. Hop, on va essayer de lâcher. Oh, bah écoute, on lâche l'attaque, ça passe. Vas-y, Nita, tank. Tank, Nita, tank. Alors, est-ce qu'on a du monde là-dedans? Oh, le Emery qui nous charge. Oh, attention, attention, Alexandre. Vas-y, on se barre, on se barre, on se barre. Trop dangereux. Trop dangereux ici. Nous, ce qu'on veut, c'est garder nos points, peut-être. Hop, hop, peut-être l'attaque ici. On va faire très attention. On attend que le brouillard se dissipe. On se soigne. Hop, alors certes, pour l'instant, on gagne. Mais de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est juste marquer des points avec nos kills. Oh, ah, c'est dommage. C'est la Nita qui l'a. C'est la Nita qui l'a eu. Oh, la Nita qui fait beaucoup trop de dégâts! Laisse-moi des kills! Laisse-moi des kills! On a les 7 points, on a les 7 points. Le Brock qui était pas très doué. Allez, bim! Oh, le Brock, vas-y, vas-y, vas-y. Ouf! Il manquait pas grand-chose pour l'avoir, le Brock. Attention. La Emery. Bim! Oh, dommage! Oh non, c'est le. Je suis dégoûté. C'est l'ours. C'est l'ours de Nita qui l'a eu. Attends, attention, 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 le Brock. Le Brock, attendez, moi je me casse parce que j'ai 7 points. Je veux pas perdre mes 7 points. On a déjà perdu trop de points sur les games précédentes à cause de ça. On arrive à gratter un point. Non, non, non. Non, Brock, laisse-moi vivre. Je suis à 28. Alors là, attendez, si j'ai une balle perdue, là, je comprends pas la vie. Je suis vraiment déçu. S'il y a une balle perdue qui arrive sur moi, je suis vraiment déçu. Allez, 5 secondes. 4, 3. Allez, 7 points supplémentaires. Les 7 points bonus. Oh, ça passe. Yes. Allez, du coup, on enchaîne sur le quatrième skin, et c'est BP Héroïne, franchement, qui est magnifique. Alors, je sais que c'est l'un de vos préférés, hein, puisque j'avais fait des sondages sur mes lives, et vraiment, c'était, d'après ce que vous me disiez, votre préféré. Donc, du coup, on va voir un petit peu ce qu'il donne, mais il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Hop là, voilà, très très beau. Regardez même la bille de chewing-gum, on va l'envoyer comme ça, histoire de dire, regardez ça. Toute pixelisée, elle fait des superbes rebonds, on va lui en envoyer une autre, hein, écoute. Oh, regardez-moi ça! Incroyable! Oh, ce qu'on a fait là! Ce qu'on a fait, c'était fou! Ce qu'on a fait, c'était complètement fou! J'ai même pas vu combien de kills on a fait sur le coup! Bim! Allez, tiens, le petit coup dans la tête! On lui en renvoie une à boule! Vas-y, on lui en renvoie une à boule! Il est toujours de l'autre côté, un hein, boule! Voilà! Oh, oi, oi, oi. Hop là! On tourne autour! Allez, bim! Oh, bah, il comprend rien! Il comprend rien à ce qui se passe! Le pauvre boule, il est dépassé! Il sait pas comment faire! Hop, regardez-moi ça! Allez, bim! Oh là 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 là, mais le PGM, ce qu'on leur met bien sûr. Hop, allez, attendez, on essaye de survivre. On veut pas mourir maintenant, pas avec 7 étoiles sur la tête. En plus, c'est votre skin préféré, donc du coup, on va vraiment essayer de la jouer safe pour essayer de l'emmener avec un gros score. Hop, j'ai essayé d'envoyer une bille là-dedans. Je me suis dit, attendez, s'il y a des gens, il y a peut-être moyen de faire un bon petit massacre. Allez, dégage. Oh, attention, bim. Oh, ça va pas suffire, c'est pas moi qui ai fait le kill. Allez, le Léon, hop. Ouh, dommage. Oh non. Putain, la Emery qui m'a volé mon kill. Allez, bim, tiens. Ok. Allez, on essaye de refaire au moins des kills, quelques petits kills là. Non, non, on veut pas mourir. Laissez-moi vivre. 420. Oup, le petit kill en plus. Le petit kill peut-être ici. Non, ça va être difficile. On va essayer de back. Non, laisse-moi. Oh, peut-être. On a tenté le vol de points sur la fin. Je sais pas exactement à combien de points on est. Hop. Ah, ça va pas le faire. On va pas réussir à faire un kill supplémentaire. Mais dis donc qu'on a fait quand même un massacre. Et regardez cette animation de fin qui est vraiment trop stylée. Allez, du coup, on enchaîne avec le dernier skin de la mise à jour pour 300 gemmes, le Arcade Virus. Ah, 300 gemmes, ok. Mais il est vraiment très très beau. Honnêtement, moi j'étais pas trop fan de ce que je voyais. Enfin, c'est pas que j'étais pas trop fan, c'est que je me disais, ça a l'air beaucoup détaillé et j'aimerais bien voir ce que ça donne in-game. Mais in-game, bah écoutez, in-game ça rend hyper bien. Il est superbe. Superbe ce skin. Regardez-moi ça. Hop, on arrive à mettre la pression. C'est pas moi qui fais le kill, je suis un peu déçu. Attendez, on va se mettre une petite tourelle tranquille ici. Attendez. Hop, allez où la tourelle? Allez là. Parfait. Hop, la pression sur le arcade. On s'en sort vivant avec 84 PV. Bien sûr, la base.
la base. On va peut-être mettre... Oh, vas-y, viens, viens, Bibi. Ok, on arrive à faire le quai sur Bibi. Non, 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 non. Ah, je vais aller 5 points, je suis déçu. Attendez, il nous reste 1 minute 17, on a largement le temps de remonter. On a déjà fait quelques petits kills. On peut en faire d'autres. Ouh, la Bibi, et la Bibi qui nous cherche. La Bibi. Oh, la Bibi qui meurt. Parfait. Oh, vous avez vu, en plus, il a une nouvelle voix. Une nouvelle voix vraiment démoniaque, hein, pour le coup. Hop là, on arrive à faire le deuxième kill. Ah, ça c'est cool, ça. On est en train de remonter un petit peu. On est en train de remonter en étoile parce que ça nous arrange. Allez, allez. Ok, ok, parfait. On remonte un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à faire le record avec ce skin incroyable? Allez, la pression. La pression sur la BA. La BA qui a pris cher. On en voit dans le tas, là. On en voit dans le tas, là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, on enchaîne. Non, non, non. Hop là, on met ça pour tanker. Oh, la tourelle qui tanque la BA. Et là, attendez. Hop, on va aller chercher le bar tabac, peut-être. Le bar tabac. Oh là, on est sur un record. On est sur un record, je pense. Il faut absolument pas que je perde. Et attendez, si je perds tous mes points là... Non, 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 non. BA, BA. Ok, on a... Ah, on a pas fait le kill sur la BA. C'est pas nous. Oh, attendez, je back. Oh, on fait le petit kill sur la Bibi. Ah si, je back. Il faut que je me soigne. 15 secondes. Faut pas mourir maintenant. Oh là 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 là, ça va être exceptionnel. Oh là, il... Ah non, 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 c'est le titre qui a fait le kill. Ah, je suis déçu. Allez, allez. Un dernier petit kill ou quoi? Oh, la BA, elle me fait peur. Non, non. Oh, le rebond. Hop, on va mettre ça pour tanker. Oh, et franchement, la tourelle pour tanker les attaques de la BA, c'est parfait. Et regardez-moi ça. La victoire, je sais pas combien on a fait de points. Écoutez, je compte tout ça au montage et on fait le point ensemble. Du coup, pendant que je calcule le score, je vais essayer de vous donner les informations sur la mise à jour d'équilibrage. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Il y a juste 3 brawlers qui sont impactés. Tout simplement, la BA, on s'en doutait, elle va être nerf. Son deuxième star power, beaucoup, beaucoup trop fort. Avec un bouclier qui est resté 1 seconde, bah, son bouclier finalement va rester 0,6 secondes. Le Daryl, c'est pareil, très, très utilisé. On le voit beaucoup dans les Worlds. Son deuxième star power qui lui permet d'avoir un bouclier, c'est pareil. Au lieu de rester 3 secondes, il va rester 2,5 secondes. Et enfin, Max, il va avoir un buff et un nerf. Le nerf, tout simplement, ça va être l'efficacité de son star power qui lui permet de régénérer ses munitions. Elle est diminuée de 25%. Et par contre, ses dégâts augmentent à 300 dégâts par attaque au lieu de 250. Ça fait un boost de DPS de 20%, donc c'est quand même pas dégueulasse. Et surtout, sur son ulti, en fait, avant, quand vous activiez l'ulti, toutes les personnes dans le rayon étaient boostées en vitesse. Bah maintenant, pendant une seconde, les personnes qui vont rentrer également dans le rayon, vos partenaires qui rentreront dans le rayon, seront également boostés. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour la mise à jour d'équilibrage qui arrivera dans la prochaine mise à jour. Alors du coup, c'est pas du tout fait exprès, mais le skin le plus cher à 300 gemmes, qui est le skin d'arcade, remporte le match avec 18 points. Les deux skins à 150 gemmes sont à 13 points. Et enfin, les deux skins à 80 gemmes sont également à 11 points. Donc c'est marrant, hein, une égalité entre les prix des gemmes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre le code créateur si vous achetez ces skins-là. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, des bisous. Bye bye.